de Dieu. Dieu va te mener dans les secrets, dans son conciliabile. Regarde ce qui se passe. Maintenant, je vais encore ouvrir quelque chose. Pour être ami de Dieu, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, alléluia. Amen. Première des choses, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit intercède avec nous. Quand nous prions ici, il intercède avec nous avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire lui rentre même dans les profondeurs de Dieu pour nous révéler des choses cachées. Oh, la première chose, il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Non. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener dans la dimension de connaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Oui. Beaucoup de gens savent que Dieu existe. Non. Alléluia. Amen. Même les païens que tu vas demander, tu vas dire, oh mon Dieu. Non, oui ou non? Oui. Oh, non, alléluia. Amen. Ah, excusez-moi, vous m'arrêtez. Tout le monde connaît Dieu, non? Amen. Qui fait même des problèmes, c'est oh mon Dieu. Il y a même un film qui est sorti. Qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Mais il ne prie pas. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Tout le monde connaît Dieu. Amen. Mais pour connaître qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il faut rentrer dans l'intimité. Celui qui va te pousser dans l'intimité avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Non, alléluia. Amen. Oh non, alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener à connaître que c'est sa cuisse. Et marquer le Seigneur, hein? Le Seigneur. Amen. Non, alléluia. Amen. Si tu connais ma couche, tu es suspect. Amen. Non, non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Là, les amens est diminué. Alléluia. Amen. Il faut être connecté avec le Saint, le Saint-Esprit. Première des choses, le Saint-Esprit. La deuxième chose, il faut connaître la parole. L'homme de Dieu a prêché. Médite ce livre de la loi nuit et jour. Oh non, alléluia. Amen. Méditez cette loi nuit et jour. Afin que ce que tu entreprendras réussisse. Et que tu auras dit succès. Oh non, les gens changent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas de lectrice et lecteur de la Bible ici là? Ne vous pensez pas à bourner, bien-aimé. Écoutez, lisez la parole, méditez la parole de Dieu. La première chose, je vous ai dit quoi? C'est le Saint, c'est le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est la parole de Dieu. Si vous connaîtrez ma parole, oh my God, j'aime Dieu. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il faut connaître la parole de Dieu, méditez-les. Quand la Bible dit dans Deutéronome 28, si vous observez mes commandements, vous serez bénis à l'entrée du pays. Amen. Donc, il sera béni. Non, alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Tes enfants seront bénis. Tout ce qu'il fera, ce sera béni. Amen. Mais si tu n'obéis pas, voilà pourquoi Jean insiste ici. Mes commandements respectés. Amen. Bien aimé. Dans les principes de la bénédiction, les principes de la semaine ne changent pas. Dieu, c'est un Dieu de principes. Alléluia. Amen. Donner, il vous sera donné. Et il donne une parole avec condition.
mettez-moi une fois. C'est l'unique passage que Dieu qu'on dit, Dieu est en train de dire qu'on puisse se mettre à l'épreuve. Il a dit, mettez-moi le sort à l'épreuve. Si pour vous, je n'ouvre pas les esprits de bien sûr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, mets la parole de Dieu en pratique. Tu seras ami de Dieu. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, c'est pareil. Alors tu vas, tout ce qui va entreprendre, ça va réussir. Si nous manquons de réussite, c'est parce que nous ne mettons pas la parole de Dieu. Et donc, la première des choses, c'est le Saint-Esprit. La deuxième des choses, c'est la parole. La troisième des choses, c'est la prière. Oh, alléluia. Amen. Ces trois choses vont rentrer en ligne de compte. Ça veut dire la première des choses, le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est la parole. La troisième chose, c'est la prière. Le tout forme un tout. Un. Le Saint-Esprit, quand tu te parles, il t'amène dans la parole de Dieu. Oh, j'ai pensé à devenir dire amen. Amen. Et la Bible dit prier. Mais on ne verse pas. Sinon, tu risques de prier mauvais. La Bible dit quoi? Vous priez, mais vous priez mal. Pourquoi nous prions mal? Parce que nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Si nous sommes connectés avec le Saint-Esprit va nous donner la parole. Comment prier? Et lorsque nous allons prier, nous aurons les résultats. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour entrer dans l'intimité avec Dieu qu'il te faut ces trois choses. Saint-Esprit, la parole et la prière. Alléluia. Amen. Amen. Que dit la Bible? Que Dieu est derrière ça? Sa parole. Pourquoi? Pour accomplir. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas derrière le miracle pour accomplir. Dieu est derrière ça, sa parole. Pour qu'il y ait un accomplissement dans ta vie, il faut connaître quoi? La parole. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité se trouve où? Dans la parole. Non, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour, même les païens, ils te feront la guerre, ils te vaincront pas. Ils ont trouvé ça où? Dans la parole. Il y avait une scène, donc j'ai terminé, il est connu ici par les musiciens. Il y a quelqu'un qui ont chanté ici, qui est mort ici à Paris. Trois ans après, il va le voir sortir d'un magasin tâté. Cet homme est mort. Des conditions bizarres, mystérieuses. Elle aussi, comme il était de ce monde-là, arrivait à sa tournée faire des courses, comme le frère, mon frère, là-bas, les safres, les machins, arrivait au coin, et prendre le métro Barbès, il va voir cet homme-là, qui est mort, ça fait trois ans. Il lui demande, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, je viens faire des courses à Tati, mais cet homme est mort, ça fait trois ans. Du coup, elle commence à trembler. Les réflexes, c'est quoi? Elle appelle sa sœur. Quand sa sœur dit, mais il est mort. Du coup, quand il va dire, sans effet au nom de Jésus, la personne disparaît. Mais elle ne prie pas. Elle a pris simplement la parole de Dieu, qui écoute sans effet au nom de Jésus. La personne disparaît. Elle est arrivée, on nous a appelé à minuit, nous sommes allés là-bas. Tu acceptes le Seigneur, oui. Comme le Seigneur, je peux entrer de l'eau de ça. Ça fait trois ans qu'il est mort. Moi aussi, moi, j'ai commencé à me poser des questions. Mais dis-nous la vérité. Est-ce que toi, tu as vu? Non, je l'ai vu. Tu connais tel? Oui. Ça fait trois ans. Je l'ai vu, il venait de faire des courses à Tati. Bien aimé dans le Seigneur. Si nous connaissons la parole de Dieu, ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Si nous nous mettons à prier, ça veut dire que nous serons des hommes forts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un ami qu'on confie en secret. Amen. C'est un ami qu'on dit des choses cachées. Voilà pourquoi les gens, invoque-moi, je te répondrai. Des choses cachées. Est-ce que toi tu as mis des liens pour qu'on puisse te révéler? Toi tu rentres en intimité avec Dieu. Beaucoup de gens, et Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. On montre des choses cachées à un ami, on ne montre pas à tout le monde. Amen. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ta famille est en train de te trangler la nuit, tu ne dors pas. Tu n'es pas encore ami de Dieu. Si tu es ami de Dieu, Dieu te dira, ces choses-là viennent de là-bas, fais ça, et tu verras ta situation changer. Amen. Si la situation ne change pas, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la dimension,
à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que toi tu veux dire amen? Il ne vous appellera plus de serviteur, mais mes amis. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais un ami, mon confrère, un secret. Qui veut être ami de Dieu aujourd'hui? Amen. Alléluia. Amen. Qui veut rentrer dans l'intimité avec Dieu aujourd'hui? Amen. Mais rentrer dans l'intimité avec Dieu, mon frère. Amen. Si tu rentres dans l'intimité avec Dieu, tu verras ta situation changer. Amen. Même si une femme te trouble la vie, même si une femme te complique la vie, si tu rentres dans l'intimité avec Dieu, Dieu va te montrer des choses qui se passent. Mon frère, ma soeur, l'heure est arrivée de rentrer en intimité avec Dieu. Nous avons donné l'oreille aux musiques du monde. Donne l'oreille à la parole de Dieu. Et cette parole te sauvera. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons prier bien aimé. Je vais demander à Sarah, nous allons nous lever.